Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis pas tout seul, je suis avec Valentin. Ça va ou quoi? Ça va et toi? Je sais pas si vous avez suivi, l'année dernière on a fait Rambouillet le Mont-Saint-Michel à vélo. Exactement. Et là, et cette année on fait Nantes-Bordeaux. Waouh, la dinguerie. Ça dit quoi? Ça dit quoi? Ça dit l'océan, se baigner, sans entraînement. Non, en vrai ça va, on a l'habitude. Et bah du coup on vous emmène avec nous. Ok, là on est dimanche, il est 17h et après plusieurs heures de train, on vient d'arriver à Nantes. J'avais remarqué un quartier avec des bâtiments plutôt sympas à côté de la gare, du coup on a fait un détour pour faire quelques photos. Bon, après on est parti faire un tour dans le centre-ville et on est même remonté jusqu'à l'île de Versailles. Les pavés me brûlent un peu comme de la lafante. Il sait plus que mon cerveau sera lavé. Je me lève pour un tour qu'on fera main dans la main. Même temps que je pense trop, peut me la mettre à l'envers. Avec les grands démons, j'attise, c'est la poursuite. Ils m'enfermeront avec tous les autres poursuivants. Tiens, moi, je suis sûr que je te sens en pourcent. Je me rechargerai en restant dans ta poussée. On n'a pas le temps pour la pause. Discret, pas ta rire au fond. J'espère quitter les villes au fond avant de finir comme un dos. Bon, impossible de venir à Nantes sans voir l'éléphant, du coup on est remonté vers les machines de ville. Ouais, là ce qu'on entend pas, ce qu'on voit pas aussi, c'est que l'éléphant il crache de l'eau et on s'en est pris plein la gueule juste avant. Donc là on est toujours posé à Nantes. Il est 19h bientôt et on cherche du coup un magasin parce qu'on est dimanche pour manger. Pour manger, ça va être chiant. Qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Est-ce qu'on va manger? Telle est la question. Moi je sais chasser le pigeon. Ça t'intéresse? Bah au final on a trouvé un. Premier décollage de drone du voyage, qu'est-ce que ça dit? Petit coucher de soleil, des petites vignes ici, on va essayer de faire quelque chose, on est un petit peu en retard mais on va voir ce que ça donne. Maintenant je vois ça comme une flaque, une dizaine d'années plus tard, et l'autre monde me dit ah, ouais l'autre monde me dit ah. Toi? En France ça veut pas. Bon c'est pas grave. Est-ce que c'est un échec? Mec, tout bon pilote accepte les défaites hein. Putain, ça me fout. Bon ok, là on a quitté Nantes, on est direction Port-Saint-Père. Port-Saint-Père pour aller au camping. L'idée c'est que demain on puisse partir assez tôt pour aller à Noirmoutier, prendre une petite route qui est immergée par les marées, donc faut qu'on tombe au bon moment, donc faut qu'on parte le matin tôt. Donc on va faire ça. Là on est arrêté pour démarrer le drone, il y a des petits soucis, c'est pas moi qui gère. Le coucher de soleil est en train de partir, ça c'est dommage. Mais c'est pas grave, on en aura d'autres et puis c'est cool. Donc là on est allé jusqu'à Port-Saint-Père pour aller au camping du coup. Et bah, du coup le soleil s'était couché, il faisait nuit. Et on a du coup monté les tentes en pleine nuit. Ça va gros? Putain, quel enfer, piquant Paris pour sa mère. Voilà, super, premier jour. Yo, ça va ou quoi? C'est chaud déjà là. C'était une sale nuit là. On a fait 20 km, on est parti à 7h. Là on est à Bourgneuf. Le but c'est d'arriver avant que l'eau remonte sur la petite route là. À Noirmoutier. C'est tendu. Il reste 20 km? 24. C'est impossible. Allez, ciao. J'ai peur du temps, j'ai peur des gens. Voilà, on a dû descendre ces petits escaliers pour faire un petit raccourci qui a pas du tout raccourci. C'est un raccourci qui nous a épargné quelques minutes. Ici c'est le bazar des fois. Tout le monde parle pour rien dire. Là c'est la merde. Là c'est la merde, il pleut,
Ça dit quoi, gros? Il y a une grosse tache sur la caméra en plus. Je suis en train de regarder un petit peu s'il pleut là. On est. Il est marqué humidité 83%, c'est beaucoup, hein. C'est chiant. On va être malade. On est trempés, les mecs. Je sais pas quoi faire. Hein. Du coup, là, on va pas voir. On va pas pouvoir passer par le petit chemin. On est trempés. Ce matin, on a remballé sous la pluie. Une grosse journée de merde, j'ai l'impression. J'ai peur du temps, j'ai peur des gens, j'ai peur des idées, je suis méfiant. Je voudrais me détendre, et pourtant, j'ai besoin des sous, j'ai besoin de m'étendre. Je suis dans la merde, je suis dans l'impasse, je suis dans la verte, frère, je suis dans la masse. Passe-moi la tease, passe-moi la massa. Personne dit ça, ici c'est le bazar. Ici c'est le bazar des voix. Tout le monde parle pour rien dire. Tout le monde voit son train de vie, mais tout est bon tant qu'on y arrive. J'entends le chant du loup, mon cœur. Faudrait qu'on. Voilà, le passage du Gois. Là, on dirait qu'on peut passer, mais on va pas le tenter. On a croisé quelqu'un tout à l'heure qui nous a dit que ça montait très vite et que tous les ans, il y avait toujours des gens qui y restaient. Donc, on va pas tenter le truc. Hein. Si je m'éloigne, moi, c'est pas que j'ai pas envie. C'est juste que parfois, mais c'était pas tant vrai. Yeah, yeah. T'entends les pneus qui crissent, y'a tout qui part en vrai. J'attends que tu dis qui c'est, je kiffe quand on fait tard la nuit. Mais si je m'éloigne, moi, c'est pas que j'ai pas envie. C'est juste que parfois, mes idées partent en vrille, yeah, yeah. Encore une fois, t'es seul le soir, ton reflet flotté dans le miroir. Comme s'il est cassé, comme si croire en toi, c'est pas si facile. J'suis toujours coincé dans ce monde et pourtant j'suis là, j'pousse la chanson. Plus j'augmente la pression, plus je suis proche de mon ascension. Encore une fois, j'ai les temps qui grincent, sur le temps qui passe et passe. Tu sais, ces temps-ci, j'suis dans mes pensées, j'veux pas que l'angle s'efface. T'entends les pneus qui crissent, y'a tout qui part en vrai. J'attends tes petits kisses et j'kiffe quand on le fait tard la nuit. Et si je m'éloigne, moi, c'est pas que j'ai pas envie. C'est juste que parfois, mes idées partent en vrai, yeah, yeah. T'entends les pneus qui crissent, y'a tout qui part en vrai. J'attends tes petits kisses et j'kiffe quand on le fait tard la nuit. Et si je m'éloigne, moi, c'est pas que j'ai pas envie. C'est juste que parfois, mes idées partent en vrai, yeah, yeah. Ça va, gros? On a fait combien de kilomètres, là? 105. On a fait 102 km aujourd'hui. Ah, à la tienne. Qu'est-ce qui se passe au niveau de ton bras là? Oh, j'ai pris un coup de soleil là. T'aurais pas gardé ta montre par en hasard? En fait, j'ai une montre invisible. Ah, c'est là, ta montre invisible. Là, elle m'indique l'heure d'aller te faire foutre. Ah, yes. Je connais. Salut tout le monde, ça va bien ou quoi? Aujourd'hui, on s'est réveillé, on était à Saint-Gilles-la-Croix-de-Vie. Saint-Gilles-la-Croix-de-Vie. Super, un petit nom sympa en plus. 10 euros, hein, c'est pas cher. Hier, on a fait 103 km. Ouais. C'était une journée bien productive. Et là, on est parti pour 80, hein, encore. 80 direction La Tranche-sur-Mer. Parti il y a pas longtemps, et Valou a vu un beau petit terrain là. Un petit coup de drone. Il a envie de sortir le drone. On va voir ce que ça donne, on va voir s'il arrive à le faire fonctionner. Comme la dernière fois. On prend pour Azéville ou quoi là? Oh. Ça fait des années, bouge tes courbes comme the first time. Demain vers le ciel, sans la prise dans mon costard. Faisons pour les mêmes choses, des diamants pas en stop. J'élabore encore des édifices avec la flemme, yeah. Il faut des pailles qui rapportent mon dieu, il faut de l'air. Wesh, c'est la graillance. On est où là? Là on est au Sable d'Olonne. On a fait 30 km, on est épuisé. 33. On n'est pas arrivé, on doit faire aujourd'hui, on doit faire 60. Pas le double encore. Ouais, plus du double. Ouais. On est pas bien. Pas bien du tout. Non, en vrai, ce qu'il faut, c'est en fait faire plus de kilomètres pour arriver vite à La Rochelle. Et genre à La Rochelle, on se met une mine quoi, tu vois. Un chill à La Rochelle. Non, genre on se met vraiment une grosse. On fera des photos, on fera tout ça, tu vois. Non, gros, la mûre. J'élabore des méthodes tous les jours, jamais l'heure.
Depuis je canalise de stress, focus sur l'ICP, on voit pas le temps qui passe, les équipes glissent et je refais le tour de la pièce en taf. Et ça m'apaise, on recherche pas l'étal, néglige pas les détails. J'arrive comme d'hab, tu connais le bail, l'impression de marcher quand je détale. Je me disais qui c'est, déguisé, un couteau mal aiguisé, le ciel s'est grisé quand j'écris ces lignes avec les cendres de guise. Donc je me bute à tout et peut-être bien frère que je suis à bout, mais je tiens à vous, tu sais bien que je traîne avec moi. On est à Tranche-sur-Mer là. On a fait quelques courses pour manger ce soir. Et là, on est en train de chercher un camping. Qu'est-ce que ça dit? Il répond pas le camping là. C'est compliqué là. On va dormir dans la rue. Je traîne avec ma loca. Hey, combien de jours avant le sun, y a de l'orage ici pas. Où est-ce qu'on est là? La grue. On est à grue. J'ai la rue ES. Ok, on a fait combien aujourd'hui? 93. Demain c'est La Rochelle. La Rochelle. Là on est un peu loin, on doit faire 60 km pour aller à La Rochelle. Ah c'est pas très loin. En fait comme on voulait s'y poser 60 c'est pas très loin. Ouais. Non mais genre en fait comme on voulait s'y poser tranquille, chill là-bas en ville. La Rochelle et ensuite on descend un peu plus loin, c'est une petite journée demain hein, tranquillou. C'est une petite journée demain, hein, tranquillou. Ah, il y a beaucoup de vent là. Je suis épuisé. La pire journée. Hein. Première crevaison. Waouh, what the fuck.